Coucou les gars, je reviens pour l'épisode 2. Aujourd'hui, guys, je crois qu'on est le 11 octobre et c'est la Fashion Week. Du coup, j'ai mis un petit look assez sympa. Cette veste qui est juste incroyable. Je me suis fait une petite coupe de cheveux. C'est la Fashion Week. Du coup, on va faire un petit tour à Dongdaemun. C'est là où se passe la Fashion Week. À Paris, il y a 10 000 lieux. À Séoul, il n'y a que un lieu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là, on est arrivé à Dongdaemun. Il y a Victor, il est en all white. Il y a Arashi. I love your outfit. Gang, 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 gang. Gaia! Il y a Gaia qui nous a rejoint. Ça fait trop plaisir. Là, on va où? On va où? Je sais pas, bah attends. On va où? Lui, il s'est posé là. Non, lui, c'est très bien ce qu'il fait. Ah, tu as fait des petites photos. C'est une série de vlogs, mais mieux. Eh mais ta gueule. Et du coup vous êtes venu pour regarder un peu les shows, ah des oui, trucs, actuellement, l'ambiance. On est en fuite parce qu'il y a un autre duo comme je fais. Ouais, un français, il était un peu bourré et il nous a suivi. Il est bourré à Dongdaemun. Il y a un autre du SM Market qui nous a ravédé. Ah ouais. Je tourne un peu. Il va comme un pingouin. Naturel. Genre avec du flou, il soit fluide. Mais montre-nous, mais je vais pas le montrer ou quoi? Par contre, l'ambiance de la Fashion Week de Seoul, c'est pas du tout pareil qu'à Paris. À Paris, c'est la folie, il y a 10 000 lieux différents. Et c'est plutôt calme, je trouve. Sauf si on a raté des trucs, on est peut-être arrivé un peu en retard. Pourquoi nettoyer tes chaussures, Carlos? Franchement, ouais. Nettoie tes chaussures la prochaine fois. J'étais dans le rush. Mais j'ai pas d'autres chaussures blanches. Tu vas lever à 8h du matin? Si. Et donc? J'ai mis du temps à me réveiller. Après, je suis allé manger parce que moi je dois manger. Moi je suis pas là, je me réveille pas à 18h. Pars bien, s'il te plaît, pars bien. C'est pas ce qu'on a fait hier soir. Non, mais toi t'as fait quoi? C'est vrai, on a beaucoup travaillé toute la nuit. Hein. J'ai monté et tout. Elles ont fait des dossiers, elles ont fait des trucs. Ouais, mais pourquoi Alex il était prêt avant vous? Période. Non, mais ça cause la. Est-ce que vous avez travaillé par tête pareil? Les photos de Victor. C'est très poétique, hein. Oh, elle a ramené mon jus, merci. J'aime trop ces jus. Tu prends tous les crédits là. Alors c'est moi qui achète. Ah. Elle a dit merci comme si. T'es de real manager. Là je suis en stage avec un photographe. Oh, ouais. Et il prend en photo des gens. Il y a eu Moon, il y a eu Asa Rabat tout à l'heure. Ah, trop bien. Vous êtes chaud. On va saisir l'occasion. Vous êtes des outfits. C'est vrai, t'aimes bien? Je kiffe de ouf. Ah merci. Ton meilleur stage. T'as capté. Ton meilleur stage. Oh. Ah, c'est trop gentil, merci. J'ai su un nouveau vlog. T'inquiète, ça arrive, des nouveaux vlogs là. Nouveau vlog, là t'es dedans là. Là, dis bonjour. Hein. Là, tu peux dire que la Nyang. La tête. Il a super tête. Il a tête, ça. Like that one. I like those. Eh ben, wow. T'as des stars, toi. What is this? I'm gonna take a chicken burger. Fries and iced tea. Coucou maman. Papa aussi. Alex. Alex. Ma mère. S'il vous plaît. Salut maman. Un petit taxi pour aller à Itaewon. On s'est trompé de destination, guys. On devait aller à Itaewon. On s'est retrouvé à Sakachi, je sais pas où. J'ai allumé le flash, il allait se crasher le conducteur. Je suis désolé. C'est une situation un peu cocasse. On s'est trompé un peu de destination. Le conducteur il kiffe sa vie. Et il adore ça. Là. Il adore ça. Ouais, on s'est trompé de destination. On lui a dit bah on peut pas descendre là parce que c'est pas là notre destination. Nous on va à Itaewon. On s'est déposé au métro. Ouais. Ah. Au métro. Ah. Ah. Il est trop drôle. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Je lui ai battu une note. Il est de ouf. Non, je vais lui donner un pourboire. Et là, on va lui faire son meilleur chiffre d'affaires là. Son meilleur chiffre. Il a compris, on était bêtes, il nous fait tout le tour de Séoul. Il est vraiment tout droit. Gamsahamnida. Gamsahamnida, sortez. Wouhou. Ani, Gamsana. Ah, comment est-ce que ça?
fait quoi? Est-ce qu'on va dans un petit bar? Est-ce qu'on va dans un petit quelque chose? On est dans les rues du Téouen, mais on sait pas quoi faire parce que tous les bars ferment et qu'on est mardi soir, du coup il n'y a pas grand chose à faire. On va essayer de trouver un petit plan quand même. Ouais, c'est quoi les gars là? Bon, finalement, on est revenu sur Hongdae. Le sabotage ici, il est fermé. Le sabotage, il est fermé. Pour le coup, il est vraiment fermé. Il est vraiment fermé. Ouais, il n'y a pas de fake, il est fermé. Ouais. Les rumeurs disent que depuis quelques mois, le sabotage 1, parce qu'il y en a 2, donc nous, on va toujours au 2. Le 1, il regarde les étrangers. Ouais. Là, nos potes qui sont au 1, c'est des Asiates. Hein. La discrimination. Ils font la discrimination. Ceux-là, on va voir si on va se faire recal ou pas. Le remake de 2019. Are you ready? Ah bien la population coréenne. Le sabotage est fermé. Oh. Là on va tester le sabotage 1, comme on vous a dit. Film de bas, ma belle. Maintenant on va voir. On va voir ce qui est la vérité. Il a fait tout ça, tu parles. You're lying, right? You're lying, I know you're lying. Je vais arrêter. Toujours aussi choqué que le sabotage face de la discrimination raciale, n'accepte pas les cartes étrangères. Soi-disant, alors que nos potes juste avant. Les Japonais, hein, sont ils sont rentrés juste avant nous. Une américaine. Ils sont enfin, une américaine. You're still out, yeah? Still outside. We outside. Non, mais en vrai, on est en Corée, thanks God, j'ai envie de te dire, fuck les racistes, nous on n'est pas dans ça dans tous les cas. Papier et ciseaux. D'ailleurs, papier et ciseaux. Oh, c'est ça. On va avoir un petit unboxing là. Happy birthday. Moi j'adore quand il parle japonais parce que je parle japonais. Rien du tout, mais j'aime bien. Y'a mis tes coups dans ça. Oui, oui, t'as mis. C'est trop allé dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stop. Stop? Say something. Je parle pas français un peu. Ah, j'ai parlé français. Yeah, speak French. You speak French? Un peu. Un petit peu. Je understand. Teach me Japanese, please. Comprends, yes. Non. Understand. Kawaii. Du coup, là, nos potes japonais nous ont emmené dans un truc pour jouer. Allez, tape comme si c'était le sabotage. C'est sabotage? Vas-y. Sabotage. Zero. Good over. Game over. It was good? J'ai gagné le gros lot, hein. Fais voir ton gros lot, là. Non, mais c'est une blague. J'ai gagné le lot. Ma vie, t'as gagné quoi? Moi? Non, mais sérieux, là. Je vais rejouer une dernière fois, la vie de ma mère. La vie de ma mère, c'est comme ça m'énerver, là. C'est quoi, ce dis? Vas-y, il a gagné un clavier. J'ai les pires cadeaux, gros. J'ai une lampe, ou encore, pourquoi pas. Mais ça, je vais faire quoi de ça? Ça, je vais le vendre. Ça, c'est sûr, ça. 153. Allez. Eh, t'as un gun. Oh, là, t'es chaud. Merry Christmas. Alex. Eh, bon, attention, y'a du monde. Où ça? À ta chaîne? C'est quoi? On vient de ici, là. Moi je te conseille la tête, au moins c'est pas blindé, mais c'est un gars. Ok, ça marche, merci. Bah, c'est qui votre part? C'est qui votre part? Ma vie, tu fais quoi là? Mmh, les retours de la glace. Il y en a pas beaucoup, hein? Mais toi, t'es bizarre comme ça. Encore et toujours au restaurant. Aujourd'hui, on va se faire un petit takalbi. C'est genre un de mes plats préférés en Corée. Alors c'est un mélange de tteokbokki, de chicken, de chou. Et tout autour là, ils vont mettre du fromage, ça va être incroyable.
ramené encore un supplément de cheese. Waouh. A few moments later. J'avais oublié mon sac Balenciaga. Genre, ça fait plus d'une heure au restaurant. J'ai eu le temps de me chercher un bubble tea. On s'est promené avec les filles. J'ai couru jusqu'au restaurant et mon sac n'a pas bougé. J'ai pu le récupérer. Mais je suis trop choqué là. Enfin, je suis choqué. Oui et non en vrai, hein, parce qu'on est en Corée, mais quand même, j'ai pas encore l'habitude. Mais il est trop mignon. Mais c'est un vrai. Ah. Oh, je suis coucou les gars, alors aujourd'hui c'est le troisième jour de la Fashion Week. Du coup aujourd'hui on va repartir à Dongdae Moon. Honnêtement j'ai rien ramené pour la Fashion Week de Séoul. Genre j'ai pas mes habits stylés ou quoi. Du coup je vais faire avec ce que j'ai. Et puis on verra. Et par contre aujourd'hui il fait genre super beau. On est arrivé à Dongdae Moon pour la Fashion Week Séoul. Il y a pas mal de gens. Il y a tellement de gens comparé au jour dernier. Mais c'est super moi genre plus tard vraiment. C'est genre mon outfit. Et moi c'est littéralement moi plus tard. On est d'accord. Salut le vlog d'Alex. Coco. Comment vous allez bien? Ati, elle se fait interviewer. C'est 10 minutes par jour. Regarde-moi la star. Star in Paris. She's a superstar. Je lui ai dit, elle m'a dit présente-toi. J'ai tout dit. She's a big star. Ati, please, look at me. Thank you. Yeah, smile. Look at me, look at me, come on. Yeah. Look at me, look at me. Yes, yes, yes. Paris. Paris. Yeah. They have a fashion show. Elle est trop belle la campagne de Jenny pour Gentleman Sir. Incroyable. Yeah. Là, on est à un événement Maison Kitsune. J'ai été invité depuis la France. L'événement il est à Itaewon. On est sur le rooftop de l'événement. Je suis désolé, il y a un peu de musique. C'est super beau. Il y a une super belle vue sur Itaewon. Et c'est moi, il y a le clip de Aespa qui passe là. What the fuck? Girls. Come on, my girls. Les gars, j'ai oublié de vlogger la suite de la soirée, mais il y avait Manu Rios à cette soirée-là. What the fuck? Bref, je voulais juste vous dire qu'il était trop beau. Enfin bref, c'est la fin de l'épisode 2. On se retrouve à l'épisode 3 qui sera autour du concert des Blackpink parce que j'y vais. Youhou! Du coup, on se voit à l'épisode 3. Bisous! J'espère que vous avez aimé.